Hey, salut à toi, si tu veux voir d'autres vidéos, ben n'hésite pas à liker et bien évidemment à t'abonner, n'hésite pas en tout cas à me le dire dans les commentaires bien évidemment et puis je te dis bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à filmer ceci ici, hein, de ce côté plutôt, et mets-toi en hauteur, parce que comme ça je veux qu'on le voie un peu de bien partout. Alors voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, et bien évidemment on est sur un unboxing très spécial parce que c'est quand même un gros truc qui coûte quand même très cher, et bien évidemment je vais changer de micro, voilà comme c'est marqué dans le titre, je change de casque, je mets un casque micro parce que tout simplement ce micro là est très très bien, le Blue Yeti. Sauf que le problème c'est que je vois pas mon écran, je vois pas mes touches, il me gêne beaucoup en fait. Donc ce que j'ai préféré c'est que je me prends un casque micro avec la carte son que vous voyez juste là. Je sais pas si vous la voyez mais c'est ce petit objet là. Donc voilà, donc j'ai ma caméraman qui est en train de filmer à côté donc avec mon téléphone. Et bien évidemment moi qui est là pour vous montrer un petit peu le packaging. Donc je vais l'ouvrir, c'est un colis que j'ai reçu de chez Amazon. J'ai commandé le casque il y a quelques jours. Je l'ai reçu, c'est grâce aux donations de chez Respawn. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans la description. C'est hyper important parce que c'est grâce à lui. Et grâce à vous aussi parce que vous avez quand même financé pas mal le casque. Sinon j'aurais jamais pu me l'acheter. C'est juste énorme ce que vous faites en ce moment pour la chaîne. C'est magnifique, j'adore et je kiffe ça. Et merci beaucoup en tout cas ce que vous pouvez faire. Je suis en train de l'ouvrir parce que voilà. Je vais monter après la vidéo. J'espère que ça rendra un truc bien, ça rendra un truc assez cool. Je vais l'ouvrir délicatement, hop, avec tout ce que je suis en train de faire ici. Comme ça, c'est parfait, pam pam pam. Mon couteau que j'utilise habituellement, sauf que là, il a pas envie de couper, c'est quand même pas mal aussi. On va l'ouvrir, allez hop, ça devrait s'ouvrir là, logiquement. Voilà, parfait. Alors en fait, il est pas très très lourd, il doit quoi? Il doit peser 1 kg et quelques, et normalement... Ouais, yes, c'est nickel. C'est le même X300, je pose ça par terre, on rangera plus tard. Alors voilà à quoi ça ressemble, je vous le montre un peu ici, nickel, comme ça c'est bon, hop, je vous le montre aussi ici en cas si c'est mal cadré ou quoi que ce soit. Voilà, bon bref, je vais le sortir de là, comme ça, la boîte bien évidemment je vais la garder, si en cas un jour je revends le MMX300, c'est la seconde génération du MMX300, et du coup, voilà, donc là on a toutes les spécificités du MMX, ouais, nice, il est stylé en vrai. Vraiment grave stylé, c'est super. Regardez, tac tac tac. Voilà, dimension machine, design for champion. Il est superbe, j'espère. Et en plus, je vais l'utiliser en tant que micro et le casque en plus parce que j'ai du 7.1. Heureusement que j'ai la carte son qui permet. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai une petite affiche en haut de l'écran. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo. Et donc voilà, close Astromix Amp avec ça. Et puis là, il pèse 294 grammes. Donc c'est pas très, 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 très gros quand même. Ça va, ça passe. Ça passe vraiment parce qu'en vrai, s'il était plus gros que ça, ça serait vraiment la galère. Ah waouh. Et le packaging, il est super. Hein, franchement, il y a une petite housse vendue avec. Je crois qu'il est dans la housse justement. Non, attendez. On va bien l'enlever aussi. Voilà, parfait. Ah ouais, il est dans une housse. Ah, c'est stylé ça. Il n'y a rien d'autre après? Ah d'accord, il y a juste une housse en fait qui permet de regarder. Je vous montre un petit peu. Il y a une petite housse ici qui permet en fait de mettre le casque. Mais c'est gavé stylé, je pensais pas qu'il y aurait une housse. C'est de chez Bayer Dynamic et franchement je suis assez stupéfait parce que j'ai quand même fait beaucoup d'ouvertures de casque. Et bon, en même temps il y a le prix aussi, hein. Je veux dire il coûte 300 €. Là j'avoue que on est dans le haut de gamme, hein, en termes de casque. Je remettrai tout ça après, donc je crois qu'il y a un manuel. Mais bon, le manuel pour l'instant je m'en fous un petit peu. Alors deux petites secondes, je mets ça là-bas, voilà. Donc on va ouvrir le casque, hein. Au moins j'ai la pochette, donc ça c'est cool, je vais pouvoir me la garder quand je vais en déplacement ou quoi que ce soit chez des amis ou des trucs comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Alors voyons voir. Ah ouais, nickel, oh là 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 là, il est top du top. Voilà comment ça se présente, bon là il y a tout ce qui est protection et tout ça. Mais il est juste trop beau et la finition... Ah, j'ai jamais vu. Non, franchement, je suis super content parce que j'ai quand même vu une dizaine de vidéos pour voir si la qualité était là. Donc, je sais pas comment ça se branche exactement. Il va falloir que je regarde après. Je vais vous faire un test de micro. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un test du micro parce que c'est hyper important. Je veux voir la qualité qu'il donne. Sinon, j'utiliserai toujours le Blue Yeti, mais je l'utiliserai quand même en tant que son pour écouter. Alors, il y a des petites. J'ai reçu certains cordons ici. Donc il y a ceci qui permet justement, je crois, ça va être de l'attacher à de mon casque. S'il y a une sorte de petite, je vais y arriver, de commande.
Je crois que c'est pour se muter le micro et augmenter le son ou quoi de ben justement du jeu ou de la vidéo tout simplement qu'on regarde. Alors attendez, j'enlève ceci, on va voir. Ça sera plus simple. Voyons voir. Hop, pam pam pam. Je sais pas comment ça se branche parce que pour l'instant j'en sais rien. Ça c'est quoi? Ça je pense que c'est pour les. Là, en XLR. Regardez. C'est pour ça qu'on branche dans une vraiment un gros truc de son. Ça c'est vraiment pas pour moi pour l'instant, je pense pas. Ils vendent de quoi? Deux trucs avec ou c'est en un seul truc? Ça je pense pas que ce soit pour moi ça. Je pense que c'est juste ceci qui est pour moi, donc on va voir. Bah, après je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, je vais tester de toute façon. Si ça se branche là ou pas. Ouais, ça a l'air d'être là. Je vais le mettre un petit peu sur la tête tout ça, on va voir si... J'espère qu'avec les lunettes ça va aller. Attendez, il se penche de quel côté? Il se penche de ce côté, d'accord. C'est le mieux de toute façon, c'est ce que je voulais. Ah, franchement, il est bien, par contre, je vais peut-être écarter un petit peu. C'est du plastique, il y a du métal, il y a aussi des bonnes couches pour pas que ça vous fasse mal sur le serre-tête. C'est vraiment bien aussi, il y a des scratchs aussi, visiblement. Voilà. Et en plus de ça, vous pouvez changer les mousses qu'il y a ici. Donc elles se changent. Par contre, elles se salissent très vite, donc il faut faire attention où vous le posez. Ça, c'est quand même assez important. J'espère que le micro va être au top. Waouh! Ah ouais, d'accord, déjà, j'entends pas les bruits autour de moi. Alors le casque, on va le mettre à peu près ici. Oh, c'est le top. Ah ouais, là je suis content. En vrai, ça rend bien. Ah ouais, je suis à l'aise en plus. Je sens pas en fait les lunettes qui sont compactées dessus. Ah, c'est juste trop stylé. J'aime bien. Alors par contre, je vais essayer de brancher le... Ouais, alors là c'est normal. Je vais brancher le micro casque maintenant. Ah ouais, voyons si je peux écouter une vidéo rapidement. Que le son que j'entends, c'est ouf. C'est ouf. Je ferai quelques games pour voir un petit peu comment ça se lance, mais c'est juste super. Je vais faire un test du micro, donc on se retrouve juste après. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de tester le micro, j'espère que ça vous plaît au taquet parce que la qualité de son, elle est énorme. Alors je suis quand même assez loin du micro en soi. Ça marche super bien, faut pas croire. C'est comme si, là c'est pas mon micro Blue Yeti, je l'ai désactivé littéralement. J'ai activé, j'ai réussi. En fait, il faut bien enfoncer le câble, pour que vous puissiez... qu'on puisse bien vous entendre tout simplement. Et il marche super bien, je vous le garantis. J'ai dû le renvoyer, mais au final j'aurais même pas dû parce qu'il aurait très bien marché quand même. Mais je suis pas déçu du tout de mon achat, très clairement. Il faut le faire marcher, il faut juste bien enfoncer le câble vu que c'est tout neuf, c'est normal, et bien le tourner en fait. Donc pour ceux qui se payent ce casque en cas si vous voulez y mettre de l'argent, ben je peux vous garantir qu'il marche super bien, couplé avec un MMX 300. C'est juste trop bien, il y a du 7.1 en termes de son. Il marche super bien parce que moi j'avais des écouteurs qui coûtaient 2€, ils sont juste à côté là. C'est n'importe quoi, enfin bon bref. En tout cas moi je vous laisse pour cette vidéo et maintenant vous allez avoir ce micro pour toutes les vidéos. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis on se retrouve la fois prochaine, allez ciao bye.